dont il présente l'une des phrases. Telle est la raison pour laquelle il porte en tête de son titre les mots « philosophie spiritualiste ». Grand 2. Il est un autre mot sur lequel il importe également de s'entendre, parce que c'est une des clés de voûte de toute doctrine morale, et qu'il est le sujet de nombreuses controverses, faute d'une acception bien déterminée. C'est le mot « âme ». La divergence d'opinion sur la nature de l'âme vient de l'application particulière que chacun fait de ce mot. Une langue parfaite, où chaque idée aurait sa représentation par un terme propre, éviterait bien des discussions. Avec un mot pour chaque chose, tout le monde s'entendrait. Selon les uns, l'âme est le principe de la vie matérielle, organique. Elle n'a point d'existence propre et cesse avec la vie. C'est le matérialisme pur. Dans ce sens, et par comparaison, ils disent d'un instrument fêlé qui ne rend plus de son, qu'il n'a pas d'âme. D'après cette opinion, l'âme serait un effet et non une cause. D'autres pensent que l'âme est le principe de l'intelligence, agent universel dont chaque être absorbe une portion. Selon eux, il n'y aurait pour tout l'univers qu'une seule âme qui distribue des étincelles entre les divers êtres intelligents pendant leur vie. Après la mort, chaque étincelle retourne à la source commune où elle se confond dans le tout, comme les ruisseaux et les fleuves retournent à la mer d'où ils sont sortis. Cette opinion diffère de la précédente en ce que, dans cette hypothèse, il y a en nous plus que la matière et qu'il reste quelque chose après la mort. Mais c'est un peu comme ici, il n'en restait rien, puisque, n'ayant plus d'individualité, nous n'aurions plus conscience de nous-mêmes. Dans cette opinion, l'âme universelle serait Dieu, et chaque être, une portion de la divinité. C'est une variété du panthéisme. Selon d'autres, enfin, l'âme est un être moral, distinct, indépendant de la matière et qui conserve son individualité après la mort. Cette acception est, sans contredit, la plus générale parce que, sous un nom ou sous un autre, l'idée de cet être qui survit au corps se trouve à l'état de croyance instinctive et indépendante de tout enseignement. Chez tous les peuples, quel que soit le degré de leur civilisation, cette doctrine selon laquelle l'âme est la cause et non l'effet, et celle des spiritualistes, sans discuter le mérite de ces opinions, et en ne considérant que le côté linguistique de la chose, nous disons que ces trois applications du mot « âme » constituent trois idées distinctes qui demanderaient chacune un terme différent. Ce mot a donc une triple acception. Et chacun a raison à son point de vue, dans la définition qu'il en donne. Le tort est à la langue de n'avoir qu'un mot pour trois idées. Pour éviter tout équivoque, il faudrait restreindre l'acception du mot « âme » à l'une de ces trois idées. Le choix est différent, le tout est de s'entendre. C'est une affaire de convention. Nous croyons plus logique de le prendre dans son acception la plus vulgaire. C'est pourquoi nous appelons âme l'être immatériel et individuel qui réside en nous et qui survit au corps. Cet être n'existera-t-il pas et ne sera-t-il qu'un produit de l'imagination? Qu'il faudrait encore un terme pour le désigner, à défaut d'un mot spécial pour chacun des deux autres points, nous appelons deux points. Principe vital, le principe de la vie matérielle et organique, quelle qu'en soit la source, et qui est commun à tous les êtres vivants, depuis les plantes jusqu'à l'homme. La vie pouvant exister, abstraction faite de la faculté de penser. Le principe vital
est une chose distincte et indépendante. Le mot « vitalité » ne rendrait pas la même idée. Pour les uns, le principe vital est une propriété de la matière, un effet qui se produit lorsque la matière se trouve dans certaines circonstances données. Selon d'autres, et c'est l'idée la plus commune, il réside dans un fluide spécial, universellement répandu et dont chaque être absorbe et s'assimile une partie pendant la vie, comme nous voyons les corps inertes absorber la lumière. Ce serait alors le fluide vital qui, selon certaines opinions, ne serait autre que le fluide électrique animé, désigné aussi sous le nom de fluide magnétique, fluide nerveux, etc. Quoi qu'il en soit, il est un fait que l'on ne saurait contester, car c'est un résultat d'observation. C'est que les êtres organiques ont en eux une force intime qui produit le phénomène de la vie, tant que cette force existe, que la vie matérielle est commune à tous les êtres organiques et qu'elle est indépendante de l'intelligence et de la pensée, que l'intelligence et la pensée sont les facultés propres à certaines espèces organiques. Enfin que, parmi les espèces organiques douées de l'intelligence et de la pensée, il en est une douée d'un sens moral spécial qui lui donne une incontestable supériorité sur les autres. C'est l'espèce humaine. On conçoit qu'avec une acception multiple, l'âme n'exclut ni le matérialisme ni le panthéisme. Le spiritualiste lui-même peut très bien entendre l'âme selon l'une ou l'autre des deux premières définitions, sans préjudice de l'être immatériel distinct auquel il donnera alors un nom quelconque. Ainsi, ce mot n'est point le représentant d'une opinion. C'est un proté que chacun accommode à sa guise. De là, la source de tant d'interminables disputes. On éviterait également la confusion tout en se servant du mot « âme » dans les trois cas, en y ajoutant un qualificatif qui spécifierait le point de vue sous lequel on l'envisage ou l'application qu'on en fait. Ce serait alors un mot générique représentant à la fois le principe de la vie matérielle, de l'intelligence et du sens moral, et que l'on distinguerait par un attribut, comme le gaz, par exemple, que l'on distingue en ajoutant les mots hydrogène, oxygène ou azote. On pourrait donc dire, et ce serait peut-être le mieux, l'âme vitale pour le principe de l'intelligence et l'âme spirit pour le principe de notre individualité après la mort. Comme on le voit, tout cela est une question de mots, mais une question très importante pour s'entendre. D'après cela, l'âme vitale serait commune à tous les êtres organiques, plantes, animaux et hommes. L'âme intellectuelle serait le propre des animaux d'hommes. Et l'âme spirit appartiendrait à l'homme seul. Nous avons cru devoir insister d'autant plus sur ces explications que la doctrine spirite repose naturellement sur l'existence en nous d'un être indépendant de la matière et survivant au corps. Le mot âme devant se produire fréquemment dans le cours de cet ouvrage, il importait d'être fixé sur le sens que nous y attachons afin d'éviter toute méprise. Venons maintenant à l'objet principal de cette instruction préliminaire. Grand 3. La doctrine
doctrine spirit, comme toute chose nouvelle, a ses adeptes et ses contradicteurs. Nous allons essayer de répondre à quelques-unes des objections de ces derniers en examinant la valeur des motifs sur lesquels ils s'appuient, sans avoir toutefois la prétention de convaincre tout le monde. Car il est des gens qui croient que la lumière a été faite pour eux seuls. Nous nous adressons aux personnes de bonne foi, sans idées préconçues ou arrêtées quand même, mais sincèrement désireuses de s'instruire. Et nous leur démontrerons que la plupart des objections que l'on oppose à la doctrine proviennent d'une observation incomplète des faits et d'un jugement porté avec trop de légèreté et de précipitation. Rappelons d'abord, en peu de mots, la série progressive des phénomènes qui ont donné naissance à cette doctrine. Le premier fait observé a été celui des objets divers mis en mouvement. On l'a désigné vulgairement sous le nom de table tournante ou danse des tables. Ce phénomène, qui paraît avoir été observé d'abord en Amérique, ou plutôt qui s'est renouvelé dans cette contrée, car l'histoire prouve qu'il remonte à la plus haute antiquité, s'est produit accompagné de circonstances étranges, telles que bruit insolite, coup frappé sans cause ostensible connue. De là, il s'est rapidement propagé en Europe et dans les autres parties du monde. Il a d'abord soulevé beaucoup d'incrédulité, mais la multiplicité des expériences n'a bientôt plus permis de douter de la réalité. Si ce phénomène eût été borné au mouvement des objets matériels, il pouvait s'expliquer par une cause purement physique. Nous sommes loin de connaître tous les agents occultes de la nature, ni toutes les propriétés de ceux que nous connaissons. L'électricité, d'ailleurs, multiplie chaque jour à l'infini les ressources qu'elle procure à l'homme et semble devoir éclairer la science d'une lumière nouvelle. Il n'y avait donc rien d'impossible à ce que l'électricité, modifiée par certaines circonstances ou tout autre agent inconnu, fût la cause de ce mouvement. La réunion de plusieurs personnes augmentant la puissance d'action semblait appuyer cette théorie, car on pouvait considérer cet ensemble comme une pile multiple dont la puissance est en raison du nombre des éléments. Le mouvement circulaire n'avait rien d'extraordinaire. Il est dans la nature. Tous les astres se meuvent circulairement. Nous pourrions donc avoir, en petit, un effet du mouvement général de l'univers, ou, pour mieux dire, une cause, jusqu'alors inconnue, pouvait produire accidentellement tous les petits objets, et dans les circonstances données, un courant analogue à celui qui entraîne les mondes. Mais le mouvement n'était pas toujours circulaire. Il était souvent saccadé, désordonné, l'objet violemment secoué, renversé, emporté dans une direction quelconque. Et, contrairement à toutes les lois de la statique, soulevé de terre et maintenu dans l'espace. Rien encore dans ces faits qui ne puisse s'expliquer par la puissance d'un agent physique invisible. Ne voyons-nous pas l'électricité renverser les édifices, déraciner les arbres, lancer au loin les corps les plus lourds, les attirer ou les repousser? Les bruits insolites, les coups frappés, en supposant qu'ils ne fussent pas un des effets ordinaires de la dilatation du bois ou de toute autre cause accidentelle, pouvait encore très bien être produit par l'accumulation du fluide occulte. L'électricité ne produit-elle
pas les bruits les plus violents. Jusque-là, comme on le voit, tout peut rentrer dans le domaine des faits purement physiques et physiologiques. Sans sortir de ce cercle d'idées, il y avait là la matière d'études sérieuses et dignes de fixer l'attention des savants. Pourquoi n'en a-t-il pas été ainsi? Il est pénible de le dire, mais cela tient à des causes qui prouvent entre mille faits semblables la légèreté de l'esprit humain. D'abord, la vulgarité de l'objet principal qui a servi de base aux premières expérimentations n'y est peut-être pas étrangère. Quelle influence un mot n'a-t-il pas souvent eu sur les choses les plus graves, sans considérer que le mouvement pouvait être imprimé à un objet quelconque? L'idée des tables a prévalu, sans doute parce que c'était l'objet le plus commode et qu'on s'assied plus naturellement autour d'une table qu'autour de tout autre meuble. Or, les hommes supérieurs sont quelquefois si puérils qu'il n'y aurait rien d'impossible à ce que certains esprits d'élite aient cru, au-dessous d'eux, de s'occuper de ce que l'on était convenu d'appeler la danse des tables. Il est même probable, si le phénomène observé par Galvani l'eût été par des hommes vulgaires et fût resté caractérisé par un nom burlesque, il serait encore relégué à côté de la baguette divinatoire. Quel est, en effet, le savant qui n'aurait pas cru déroger en s'occupant de la danse des grenouilles? Quelques-uns, cependant, assez modestes pour convenir que la nature pourrait bien n'avoir pas dit son dernier mot pour eux, ont voulu voir, pour l'acquis de leur conscience. Mais il est arrivé que le phénomène n'a pas toujours répondu à leur attente, et de ce qu'il ne s'était pas constamment produit à leur volonté, et selon leur mode d'expérimentation, ils ont conclu à la négative. Malgré leurs arrêts, les tables, puisque table il y a, continuent à tourner. Et nous pouvons dire avec Galilée, et pourtant elles se meuvent. Nous dirons plus, c'est que les faits se sont tellement multipliés qu'ils ont aujourd'hui droit de citer, et qu'il ne s'agit plus que d'en trouver une explication rationnelle. Peut-on introduire quelque chose contre la réalité du phénomène, de ce qu'il ne se produit pas d'une manière toujours identique, selon la volonté et les exigences de l'observateur? Est-ce que les phénomènes d'électricité et de chimie ne sont pas subordonnés à certaines conditions, et doit-on les nier parce qu'ils ne se produisent pas en dehors de ces conditions? Y a-t-il donc rien d'étonnant que le phénomène du mouvement des objets par le fluide humain et aussi ces conditions d'être, et cesse de se produire lorsque l'observateur, se plaçant à son propre point de vue, prétend le faire marcher au gré de son caprice, ou l'assujettit aux lois des phénomènes connus sans considérer que pour des faits nouveaux, il peut et doit y avoir des lois nouvelles. Or, pour connaître ces lois, il faut étudier les circonstances dans lesquelles les faits se produisent, et cette étude ne peut être que le fruit d'une observation soutenue, attentive et souvent fort longue. Mais, observe certaines personnes, il y a souvent supercherie évidente. Nous leur demanderons d'abord si elles sont bien certaines qu'il y ait supercherie et si elles n'ont pas pris pour telles des effets dont elle ne pourrait se rendre compte, à peu près comme ce paysan qui prenait un savant professeur de physique faisant des expériences pour un adroit escamoteur. En supposant même que cela ait pu avoir lieu quelquefois, serait-ce une raison pour nier le fait? Faut-il nier la physique parce qu'il y a des prestigitateurs qui se décorent du titre de physicien? Il faut d'ailleurs tenir compte du caractère des personnes et de l'intérêt qu'elles pourraient avoir à tromper.
Ce serait donc une plaisanterie. On peut bien s'amuser un instant, mais une plaisanterie indéfiniment prolongée serait aussi fastidieuse pour le mystificateur que pour le mystifié. Il y aurait, du reste, dans une mystification qui se propage d'un bout du monde à l'autre, et parmi les personnes les plus graves, les plus honorables et les plus éclairées, quelque chose d'au moins aussi extraordinaire que le phénomène lui-même. Grand 4. Si les phénomènes qui nous occupent se fussent bornés au mouvement des objets, ils seraient restés, comme nous l'avons dit, dans le domaine des sciences physiques. Mais il n'en est point ainsi. Il leur était donné de nous mettre sur la voie d'un ordre étrange. On crut découvrir, nous ne savons pas par quelle initiative, que l'impulsion donnée aux objets n'était pas seulement le produit d'une force mécanique aveugle, mais qu'il y avait, dans ce mouvement, l'intervention d'une cause intelligente. Cette voie, une fois ouverte, c'était un champ tout nouveau d'observation. C'était le voile levé sur bien des mystères. Y a-t-il, en effet, une puissance intelligente? Telle est la question. Si cette puissance existe, quelle est-elle? Quelle est sa nature, son origine? Est-elle au-dessus de l'humanité? Telles sont les autres questions qui découlent de la première. Les premières manifestations intelligentes eurent lieu au moyen de tables se levant et frappant, avec un pied, un nombre déterminé de coups et répondant ainsi par oui ou par non, suivant la convention, à une question posée. Jusque-là, rien de convaincant, assurément, pour les sceptiques, car on pouvait croire à un effet du hasard. On obtint ensuite des réponses plus développées par les lettres de l'alphabet. L'objet mobile, frappant un nombre de coups correspondant au numéro d'ordre de chaque lettre, on arrivait ainsi à formuler des mots et des phrases répondant à des questions posées. La justesse des réponses, leur corrélation avec la question, excitèrent l'étonnement. L'être mystérieux qui répondait ainsi, interrogé sur sa nature, déclara qu'il était esprit ou génie, se donna un nom et fournit divers renseignements sur son compte. Ceci est une circonstance très importante à noter. Personne n'a donc imaginé les esprits comme un moyen d'expliquer le phénomène. C'est le phénomène lui-même qui révèle le mot. On fait souvent, dans les sciences exactes, des hypothèses pour avoir une base de raisonnement. Or, ce n'est point ici le cas. Le moyen de correspondance était long et incommode. L'esprit, et ceci est encore une circonstance digne de remarque, en indiqua un autre. C'est l'un de ces êtres invisibles qui donna le conseil d'adapter un crayon à une corbeille ou à un autre objet. Cette corbeille, posée sur une feuille de papier, est mise en mouvement par la même puissance occulte qui fait mouvoir les tables. Mais au lieu d'un simple mouvement régulier, le crayon trace de lui-même des caractères
formant des mots, des phrases et des discours entiers de plusieurs pages, traitant les plus hautes questions de philosophie, de morale, de métaphysique, de psychologie, etc. Et cela avec autant de rapidité que si l'on écrivait avec la main. Ce conseil fut donné simultanément en Amérique, en France et dans diverses contrées. Voici les termes dans lesquels il fut donné à Paris le 10 juin 1853 à l'un des plus fervents adeptes de la doctrine qui, déjà depuis plusieurs années et dès 1849, s'occupait de l'évocation des esprits. Ouvrez les guillemets. Va prendre dans la chambre à côté la petite corbeille. Attache-y un crayon. Place-le sur un papier. Mets les doigts sur le bord. Fermez les guillemets. Puis, quelques instants après, la corbeille s'est mise en mouvement et le crayon a écrit très lisiblement cette phrase, ouvrez les guillemets. Ce que je vous dis là, je vous défends expressement de le dire à personne. La première fois que j'écrirai mieux. Fermez les guillemets. L'objet auquel on adapte le crayon n'étant qu'un instrument, sa nature est sa forme sont complètement indifférentes. On a cherché sa disposition la plus commode. C'est ainsi que beaucoup de personnes font usage d'une petite planchette. La corbeille ou la planchette ne peut être mise en mouvement que sous l'influence de certaines personnes douées, à cet égard, d'une puissance spéciale et que l'on désigne sous le nom de médium, c'est-à-dire milieu ou intermédiaire entre les esprits et les hommes. Les conditions qui donnent cette puissance spéciale tiennent à des causes tout à la fois physiques et morales, encore imparfaitement connu, car on trouve des médiums de tout âge, de tout sexe et dans tous les degrés de développement intellectuel. Cette faculté, du reste, se développe par l'exercice. Grand 5. Plus tard, on reconnut que la corbeille et la planchette ne formaient en réalité qu'un appendice de la main, et le médium, prenant directement le crayon, se mit à écrire par une impulsion involontaire et presque fébrile.